Arnaud Montebourg s'est remarié. Le candidat à l'élection présidentielle 2022, âgé de 58 ans, s'est uni avec sa compagne Amina Holter, 45 ans. La belle nouvelle figure dans le carnet du Monde daté du 19 octobre 2021, Amina Holter et Arnaud Montebourg ont l'immense joie de faire part de leurs noces. La cérémonie civile de mariage s'est tenue le 2 octobre 2021 dans le cercle de leurs amis et de leur famille. Les festivités ont eu lieu à Provins. La presse marocaine avait déjà dévoilé l'information il y a quelques jours, obtenue d'après des sources proches du couple. Arnaud Montebourg aura pour témoin Aquilino Morel, ancien conseiller politique de François Hollande à l'Élysée, et Bruno Delay, président d'Entreprise et Diplomatie, groupe ADI, et conseiller international de la présidence de Planet Finance, précise en exclusivité le site internet atlasinfo.com. L'ancien ministre du redressement productif a donc dit oui à celle qui est directrice générale déléguée de Lelinx. Faire devant leurs enfants, la mariée a deux enfants nés d'une précédente union, un fils, Shems, et une fille, Eva, tandis qu'Arnaud Montebourg en a trois, Adèle et Paul, dont la mère est Hortense de la Brive, avec qui il a été marié de 1997 à 2010, et Jeanne qu'il a eu avec l'ex-ministre de la Culture Aurélie Filippetti. Siesti, en lui demandant un selfie pour sa maman, Amina Holter a attiré l'attention d'Arnaud Montebourg, d'après leur récit pour le magazine Gala en mai 2019. Puis, il a appris à la connaître, découvrant que cette diplômée d'économie et langue a débuté sa carrière dans le marketing à Hambourg, chez Unilever. Entre 2002 et 2008, elle a poursuivi en tant que directrice du développement chez A2S Communication et Direct Annonce, puis chez Meilleur Taux. Comme ainsi quoi sur l'an. En 2016, elle assure le développement et les partenariats pour le Lynx. FR, avant d'être promue, en 2019, directrice générale déléguée de l'entreprise. Ancien compagnon d'Audrey Pulvar et Elsa Silberstein, Arnaud Montebourg s'était dit rangé loin de la politique et de ses affres médiatiques, s'occupant de la vente de miel et de glace bio, comme il le confiait à Gala. Finalement, boosté par sa relation avec Amina Holter, l'homme est redevenu plus que jamais politique.